追いかけ Coucou chérie, oui, ça fait longtemps, je suis là ma belle. Açaí. Bonjour, ça me fait encore les chichis de d'habitude là. Bonjour, partagez. J'espère que vous allez bien. Partagez, partagez au maximum. On est à combien s'il vous plaît là? Je ne sais pas à combien nous sommes. Essayez de me dire parce que je ne peux pas voir. Tu vas venir nous diviser. Les bongos ne nous ont pas assez divisés. Je demande, hein. Tu n'écoutes pas les conseils. Je t'ai mis d'abord la première chanson de Nicolas Amogo à Shingashoy. Parce que nous, à Lubaka Ngom, nous sommes des bongomo. Nous sommes des Undama et puis des Satoukou. Nous sommes des guerriers. La dernière fois que Passant ça a eu à te manquer de respect, tout le monde est sorti parce qu'on n'était pas d'accord. Qu'elle te traite d'une manière désinvolte et qu'elle te traite avec autant de mépris jusqu'à t'illustrer ou en te qualifiant de chien. Nous avons condamné ça avec la plus ferme énergie. Aujourd'hui, tu viens à Mwanda, comme Batolo t'a invité pour venir vous partager l'argent de la comilogue que vous avez refusé de donner aux ressortissants de Mangungu avec tous les autres secteurs de Mwanda et Mounana. Tu viens, tu prends un fils de chez nous, tu le mets à la place publique pour l'humilier. Est-ce que tu es venu prendre le pouvoir là, donc c'était pour ça? De la même manière dont nous avions condamné Patience Dabani, Nenkama Joséphine, de t'avoir traité avec autant de mépris, c'est de la même manière dont nous-mêmes, encore tes propres sœurs, nous venons t'interdire de venir mépriser nos enfants. Parce que tu n'as pas participé et tu n'as pas contribué à l'épanouissement et au développement de nos, de comment est-ce qu'on a décidé d'élever nos enfants. Même si c'était un kida, même si c'était un sans diplôme, tant que cet enfant-là est en train de rappeler à nos propres frères qui nous ont tués avec leurs amis français pour venir exploiter les gisements de pétrole et de manganèse sur notre territoire, au lieu de tuer la personne la mal placée
pour venir te mettre au milieu et trancher en faveur de ceux qui ont décidé de voler l'argent avec leurs amis français. C'est quoi? Tu es vraiment sûr? Donc, tu as laissé l'argent du pétrole là-bas que, à Pascaline Feribongo et ses frères pour venir discuter l'argent du manganèse. Vous nous avez donné quoi à Mwanda? Moi, je suis né le 19 mars 1986 à la maternité de Comilog. Va regarder. Je fais partie des enfants qui sont enregistrés nés ce jour-là à Mwanda. Mes grands-parents ont travaillé à Comilog. On a eu quoi de Comilog? Dis-moi un peu. Mes grands-pères sont morts avant 70 ans parce qu'ils avaient des maladies là-bas, insuffisance rénale. Ils avaient toutes sortes de maladies. Ils sont morts avec la radioactivité. Vous nous avez donné quoi pas nous endeuiller dans le Haut-Ogoué. Qu'est-ce que tu nous as donné? Tu viens chez nous à Mwanda. Attends. On t'a dit que nous, parce que nous, à Mwanda, on ne fait pas le bruit avec France Vie, que vous allez monter sur nos têtes. Tu veux vraiment que on sorte nos masques là, des bungomu, pour commencer à danser le mungala avec ta vie et ton nom? Tu veux qu'on conspire contre ton âme? Tu as dit que tu étais venu arbitrer le problème. Donc, tu es venu trancher le problème. Mais quand tu tranches le problème, Oligui, toi, tu vas venir aujourd'hui traiter un enfant de Mwanda qui a fait l'école, que sa maman a souffert avec son père, je ne sais pas, à financer ses études. Toi, tu peux venir traiter un enfant de Mwanda de voyou, tandis que tu as pris au Pianga qui n'a rien foutu. Tu l'as ramené aux affaires. Tu lui permets aujourd'hui de manger l'argent dans les métaux, l'exploitation des minéraux et des métaux précieux entre Pianga et lui. Tu veux savoir qui sont les voyous? Tu ne connais pas qui sont les voyous de Mwanda et de Mounana? Tu as pris un député qui a eu affaire à la prison parce qu'il a été condamné d'agression sexuelle et d'abus ou je ne sais pas de quoi. Un repris de justice, tu l'as remorqué, non? Tu l'as ramené aux affaires. Tu veux qu'on te sorte la liste des prédateurs et des voleurs et des assassins de Mwanda et de Mounana? C'est pas tes amis? Tu marches avec eux, non? Vous voyez pourquoi est-ce que moi, la fille de Josiane, j'ai mis un bémol entre cet enfant-là et moi. Je vous avais dit qu'il est en train de recopier au doigt et à l'œil les mêmes fautes que l'enfant d'Omar Bongo. Regardez, il prend le retraité des Ramed. Dis-moi un peu, qu'est-ce que Abeke Marcel a réinvesti pour avoir dirigé la Comilog? Il a réinvesti quoi? Où sont les avoirs? Un réseau de bandits. Même les... C'est-à-dire qu'à Comilog, même les petits ouvriers de Comilog, aucune assurance. Ils tombent malades. C'est au risque et aux frais de leur famille. Tu nous veux quoi? Tu veux qu'on me demande à brûler cette multinationale-là? Comme ça, nous tous, on va perdre. Tout le monde a mangé l'argent de Mwanda et Comilog, sauf les Mwandais et les Mounanais. Vous avez officiellement fermé la commune, mais vous continuez d'exploiter le manganèse à Mounana. Les Miboto sont concernés par cette histoire-là. Ce sont les mêmes familles que tu as pris, tu as ramené aux affaires. Ça fait combien d'années? Mwanda n'est que l'ombre d'elle-même ou de lui-même. Pour tout ce que cette localité vous a donné, qu'est-ce que vous nous avez laissé à Mwanda? Même le peu de dignité. Ça veut dire que ce qui nous reste à nous, les enfants de Mwanda, c'est notre dignité. Tu prends notre dignité et tu sais que chez nous, les Bungomu, on meurt à cause de la honte. On n'aime pas la honte. L'homme Bungomu, c'est un homme noble. C'est un homme intègre. Chez nous, on peut mourir à cause de l'humiliation. Et tu prends les enfants, un fils de Bungomu, tu le mets à la place publique, tu l'humilies en le traitant de bandit, en insinuant qu'il n'a pas de maison à Mwanda. Toi, tu as une maison à Mwanda? Tu es de Mwanda? Tu as laissé chez toi dans les plateaux là-bas, à l'école, pour venir foutre le bordel chez nous à Mwanda? Est-ce que tu veux qu'on invoque les âmes et les esprits de nos aïeux qui sont enterrés dans ce Mwanda-là? Le fils de maman Hélène. Oui, le fils de maman Hélène. Je ne sais pas. J'ai fait la guerre ici à Okumba, Wilfried Dangero. Parce qu'il ne faisait que te faire les histoires en disant que cette fois-ci, il a laissé quand même un fils de la localité venir gérer le manganèse de Mwanda parce que c'est la terre de tes ancêtres.
Là où je te parle, là, ta mère est enterrée à Mwanda. Je vais encore te donner un petit respect. Samson Batolo. Parce que ta mère, maman Hélène, c'est ma grand-mère. Mais de là où tu l'as ensevelie, elle est ensevelie là à Mwanda. Hein? Ne fais pas en sorte qu'on commence à conspirer contre ton âme. Parce que tu es notre enfant. Ta saleté est sous nos pieds. Si on parle sur ta vie. Belle mon nom. Si on parle sur ta vie, belle mon nom, tu as volé l'argent que la communologue a donné pour reloger les populations de Mwanda. Tu as fait comme ton prédécesseur Abeke Marcel parce que j'avais toujours dit que les grands doivent bien se comporter afin que les petits copient le bon exemple. Tu as soulevé tes milliards, tu es parti. Contrairement à Abeke, toi au moins tu as pensé à faire des niches de chiens parce que ça là, ça c'est des niches à chiens. Les maisons que tu es allé vouloir forcer les populations de Mangungu aller habiter là-bas, je demande hein. Vous ne savez pas donc que Mwanda, là, c'est le village des gens. À cause de votre uranium et vos associations avec Eramet. Donc, nous, on ne peut pas... C'est-à-dire que, qu'est-ce que vous voulez? En fait, qu'est-ce que vous nous voulez? Je demande, qu'est-ce que vous voulez aux Gabonais? Qu'est-ce que vous nous voulez? Mwanda devait être comme l'Angounier et le Gué maritime. Mwanda devait avoir des hôpitaux de qualité parce que les Français, c'est nous qui avons donné à manger à une partie, une infime partie de l'élite française. En remerciement, Mwanda vous donnait l'argent. Vous avez pris cet argent-là, allez vous diviser ça avec le fils de Jeanne Bourri et de Basile Ondimba. Vous avez pris cet argent. Les écoles, vous n'aviez pas tenu compte que nous sommes les enfants des manœuvres de la communologue et que nos grands-parents avaient le devoir aussi de nous élever avec les salaires de misère que vous leur payez dans la communologue là. Vous prenez l'argent que vos amis français vous donnent, vous partez, vous partagez ça avec vos parents de Bongoville. Celui qui a organisé le désordre là, c'est Bongoma. Sans penser que nous aussi, on devait peut-être être les héritiers de tout ce que Mwanda a apporté à la diversification économique de ce pays-là. Parce que à la veille de la mondialisation, la communauté internationale avait demandé aux pays producteurs de pétrole de diversifier leur économie parce que dans la marge mondiale, le pétrole n'est pas un produit qui est permanent. C'est-à-dire que des fois le baril est haut, des fois le baril est bas. Donc il fallait que les pays à caractère pétrolier comme les nôtres se lancent dans d'autres secteurs d'activité. Le bois, on vous a donné le koumé, on vous a donné le kevazingo. Donc Oligui, au jour d'aujourd'hui, c'est notre fils qui est le plus bandit du Gabon. On a volé, je ne sais pas combien de conteneurs de Kevazingo. Plus de 300 conteneurs de Kevazingo. Jusqu'aujourd'hui, l'un des bois les plus importants de la forêt gabonaise. Il ne nous parle pas de ça. On a volé une grue de plus de 5 tonnes. Oligui n'est pas au courant de ça. Qu'est-ce que vous nous avez donné? Ça dit que même notre petite, même l'enfant qui a décidé que, ah, malgré mes diplômes, au lieu d'aller encore aller me mélanger dans Libreville, n'importe comment là-bas, je veux au moins le fils qu'aller tenir quand nous tous, on a déserté l'arrière-pays. Parce que le développement n'a jamais suffi. Aussi bien dans la capitale politique que la capitale économique. L'arrière-pays, c'est une hécatombe totale. Ce qui fait que toute l'agglomération s'est concentrée sur Libreville.
Parce que tout le monde, tous les gros grabataires, les hauts dignitaires de l'État ont abandonné en dehors des enfants de Wellington. On peut tout dire des nordistes du Gabon. Mais vous voyez que les gens de Wellington, les nordistes sont les seuls qui peuvent repartir dans leur village. Parce que eux, au moins, ils ont pensé que nous ne sommes pas de l'Est. On va réinvestir chez nous. Mais chez nous, mais dans nos localités, qu'est-ce que les hauts commis de l'État ont fait? Oligui cherche les voyous et il est assis avec Henri-Claude Ohima. Il ne lui demande pas pourquoi jusqu'au jour d'aujourd'hui, Ohima se retrouve avec les prérogatives d'une banque étatique. En attendant, c'est une banque privée. $49 milliards. Le fils de maman Hélène a reçu comme dédommagement, premier dédommagement de la Comilog. Qu'est-ce que Bachelot a fait de ça? Je ne parle même pas de ce qu'a béqué Marcel a ramassé lorsqu'il était à la tête de la Comilog, protégé par Omar Bongo. En dehors des 49 milliards, on a encore pris 18 milliards que vos amis français vous ont donné. Toujours parce que vous devez venir exploiter le sous-sol de nos parents. C'est quoi? Laissez-nous tranquilles. C'est quoi? Oligui, tu es venu avec la fin au ventre. Tu es venu donc venir massacrer les Gabonais parce que tu dois devenir milliardaire comme les Bongo Ondimba. Et tu vas marcher sur les dépouilles de nos parents? Tu ne sais pas qu'à Mwanda repose l'âme de nos familles? Qu'est-ce que... Mais, Oligui, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu nous veux? Tu veux qu'on fasse une délégation? Je te donne, hein, je te dis que si tu ne sors pas notre enfant de prison, tandis que tu laisses Mandungu, qui est dans les crimes rituels, marcher avec ta femme Zita, Oligui, on va danser le Mungala, on va faire sortir nos reliques pour danser sur ta vie avant le 24 décembre. Si vraiment... Ce que tu es allé organiser à Mwanda là, nos parents sont enterrés là-bas. On verra comment tu vas fêter le 1er janvier 2025 dans la présidence au palais de marbre rénovation. Ça commence dans le Guevindo. Je ne sais pas ce que les Bungomo vous ont fait. Vous n'avez rien laissé dans le Guevindo. Tous les hauts dignitaires de le Guevindo. On a marché de le Guevindo. Venir s'arrêter à Mwanda. S'arrêter à Franceville. Jusqu'au Konja. Où les Bungomu sont? Vous ne développez pas. Vous voulez quoi? Au Bungomu. Qu'est-ce qu'on vous a fait? Vous nous avez chassés dans le Guevindo. On vous a laissé dans le Guevindo là-bas. Qu'est-ce que vous avez fait? À part faire les crimes rituels. Vous partez prendre une société australienne pour venir exploiter le fer de nos ancêtres. Jusqu'à vous nous poursuivez maintenant à Mwanda. Vous voulez quoi, Bungomu? Vous avez pris tout le Haut-Ogooué. Vous avez dirigé ça que entre vous-même. Faut nous laisser tranquilles. Sauf notre enfant. Notre enfant n'a pas volé l'argent du Gabon. Tu as laissé tes frères. Tu as ramené Landry Bongo. Jusqu'à aller mettre Landry Bongo PCA. De notre pétrole. Même son père Omar est mort. Borondima est mort. Il n'a jamais donné un aussi haut poste de fonction à Landry parce qu'il savait que Landry c'est l'un des fils les plus inutiles qu'il a eu à mettre au monde. Tu as pris l'enfant de Mandy Landry, devenu Borondima. Tu l'as mis à la présidence du conseil d'administration de notre pétrole. Si les Miennais et les Ishira, plus les Balumbu de Gamba vous laissent. Moi, je te dis que chez nous, les Bungomu, est-ce qu'on y kagye? Tu ne veux quoi? Tu veux qu'on sorte la panthère des quotas là? Tu sais que nous, on a le Mukoro, non? La panthère d'eau, est-ce que tu veux qu'on s'associe avec nos ancêtres, les sakés, que vous avez déjà tués là-bas dans le Guevindo, pour qu'on médite sur ton âme? Est-ce que, Oligui, tu veux qu'on s'asseye pour que nous les Bungomu, parce que nous sommes des pygmées. Tu veux vraiment que nous puissions sortir les choses des Bungomu? Parce que les Nzebi vous ont déjà... Les Nzebi ont montré que c'est eux qui dirigent le Gwe, le Gwe, le lot. Hey, vous avez mangé l'argent avec les Nzebi, hein? Vous n'avez pas mangé avec nous.
Et si Batolo ne connaît pas sa place, nous, il n'y a aucun enfant qui va nous dépasser. Là où nous sommes là, le pays là, est déjà devenu ingouvernable. Est-ce que tu comprends? J'ai parlé ici du détournement d'argent que le pédophile de Luther Abuna, que tu as ramené au trésor. Non, les Gabonais, venez voir. Hein. Il prend un enfant qui n'a jamais rien géré. Parce que cet enfant-là, nos grands-pères l'ont délégué que nous sommes des analphabètes, nous sommes des indigents et des illettrés. Un autre enfant, tu as fait les masters, hein? Viens un peu regarder cette histoire parce qu'on ne s'en sort pas avec Batolo et puis on ne s'en sortait pas avec l'autre sorcier franc-maçon de Abeke Marcel. Tu prends cet enfant-là, tu le traites de voyou. En octobre, tu marches avec les plus grands voyous de la République. Tu prends Luther Abuna qui doit aller répondre au tribunal de Franceville là-bas pour des cas de viol sur mineurs. Tu le bombardes tout puissant trésorier PE du Gabon. L'un des plus fidèles adeptes de Maxence Kombessi, Dinda Ojuka. Et tu viens chez nous à Mwanda traiter notre enfant de voyou. Tu veux que on te tape quelque chose chez nous là-bas? C'est ce que tu veux? Parce qu'on dirait que depuis qu'on te laisse, on te laisse, on te laisse, parce que tu es notre frère gabonais, tu es notre enfant, tu veux monter sur nos têtes. On dit qu'il sait que tu es parti manger là. Je te pose la question, est-ce que tu pourras dire ça? On avait donné les conseils à l'enfant d'Omar. L'enfant d'Omar avait dit que ce qu'on lui dit là, ça n'a aucun sens parce que c'est lui qui dirige ce pays. Tu es devenu maintenant procureur de la République. Est-ce que tu connais le rôle d'un chef d'État? Tu veux donner raison à Jonas Moulenda? Tu veux finalement donner raison aux activistes alors? On essaie de faire comme a dit Grace Genot, que on le fait comme on dit chez les fondus, tes parents du Nord, on fait au Bangam. On parle un peu, le reste on cache. On fait au Bangam, on parle. Mais on voit que tu es en train de grossir comme un mauvais serpent. C'est nous, les défavorisés, les démunis, c'est sur nous que tu as la force. L'enfant de Bourantio, est-ce que tu as fait l'audit de, comment on appelle ça? Tu as fait l'audit du budget avant de mettre... avant de mettre, comment on appelle ça, ton frère au budget, est-ce que tu as fait l'audit du budget pour voir ce que Fabrice Anjoua a organisé à la tête du budget? Tu as fait l'audit? Tu es vraiment sûr que tu cherches les voyous? Ngazouzé, Raphaël que tu as amené là-bas là. Tu ignores que Raphaël Ngazouzé était allé citer son oncle Kamboya Ndeka dans les crimes rituels et qu'ils doivent être entendus par la cour criminelle? Tu parles de quel voyou? Est-ce que tu veux qu'on chouka les Bikunga? Hein? Tu veux qu'on puisse chouka les Bikunga? Tu as allé un jour, tu as déjà convoqué les magistrats et les procureurs de la cour criminelle pour leur demander un peu les dossiers qu'ils ont sur tes amis que tu as ramenés aux affaires. Tu les as déjà appelés. Tu es vraiment sûr que toi, tu peux lutter contre les voyous. Tu es en amitié sincère avec ces voyous-là. Tu nous imposes même de les subir, sachant que ce sont des gens qui nous ont fait du mal. Qui nous ont fait du mal à tous les niveaux, dans tous les aspects, sur les points principaux de la vie. Nagweni ont fait. Ils nous ont dépossédé notre héritage. Vous nous devez le revenu minimum garanti.
Depuis l'avènement du boom pétrolier, depuis 1977, le Gabon a la capacité, à l'exception du Qatar, de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes ainsi que la Libye, de pouvoir verser comme allocation mensuelle à chaque Gabonais la coquette somme allant de 7, 8 à 9 000 dollars par mois. C'est où? Où est notre revenu minimum garanti? Donne-nous ça, on veut ça. C'est où? Notre argent est dans, comment on appelle ça, dans BGFI. Tu manges sur la table avec Henri Claude Oyima. Tu avais dit que avant de prendre les gens, tu vas faire l'enquête de moralité. Cet enfant que tu es venu traiter de voyou, sors-nous son bilan judiciaire. Montre-nous à quel niveau cet enfant-là nous a déshonoré comme ça, nous qui l'avons mal élevé. On viendra te demander pardon parce que c'était un voyou. Tu as dit qu'il est voyou. Sors-nous son curriculum vitae. Sors-nous son pardon, son certificat de toise et son casier judiciaire. Tu as dit qu'il est voyou, non? Sors-nous son casier judiciaire. Comme nous-mêmes, ces mamans, c'est nous qui avons élevé un enfant qui est voyou jusqu'à ce que tu quittes perché de ton haut commandement de la présidence. Tu viens jusqu'à Mwanda, accompagné de Bartolo Samson, pour venir nous dire à nous qu'on a mal élevé notre enfant. Mais ceux-là qui ont volé le Gabon, ceux-là qui nous ont tués dans les crimes rituels, tu marches avec que tu leur as donné des hauts postes de fonction, tu les as ramenés aux affaires. Oligui, qu'est-ce que tu nous veux? Qu'est-ce que tu nous cherches? Oligui, tu veux vraiment qu'on soulève le mauvais côté qu'on est en train de laisser parce que tu es notre frère gabonais? On disait ici que l'enfant d'Omar et de Biafra, non? Est-ce que tu as vu comment le Ngouabari est allé le visiter en octobre en Arabie Saoudite? Lui-même, son Ngouabari a mis du temps parce que il n'avait pas notre sang. Mais le fait que ça saltait sous nos pieds, tu as vu comment on a allé le chercher à Riyad, non? Tu veux être malade? Non, non. Arrête d'énerver, hein. Non, mais les choses de Brice m'énervent, en fait. Donc, Alianga, la cruche, avait pris le micro. Il est allé s'asseoir au stade d'Enzayon avec l'enfant d'Omar pour nous dire que Kibout bouge. Est-ce que Alianga a fait encore 2 ans à son poste de fonction? C'est seulement la question que je te pose. Je ne suis pas venu te menacer, hein. Mais je suis venu te prévenir que est-ce que ce que tu es en train d'engager là, tu vas supporter? Parce que you chercha, you trouva. Et quand you trouva, you supporta. Tu as pris les syndicalistes de la SCG, tu les as rasés, humiliés, coupés les cheveux des femmes. En entendant, tu sais que chez nous, les traditionnalistes, les cheveux c'est quelque chose de sacré. C'est pourquoi même lorsqu'on met quelqu'un en prison, on le déshabille. Parce que les cheveux, c'est une couverture. Surtout sur plusieurs aspects et surtout sur le point spirituel. Tu ne fais qu'accumuler les karmas là. Moi, je suis seulement en train de te poser la question. On a fait partie Najma. J'avais dit à Najma que le fait de mes aïeux que tu es allé toucher là-bas, là, des sakés. C'est un fait que même Bongo, avec les magies qu'il était allé acheter partout, dans tout le monde entier, ce qu'on avait montré à Bongo Ma, à cause du fer de Belinga, Bongo s'est assis parce que nos parents font de l'Ogwe Evindo et nos parents sake Bungomu, Pascal Lubaka Ungomu, mais Ungomu. On dit que vous n'allez pas exploiter le fer de Belinga, comme vous aviez exploité le fer des Gissir, des Balumbu et des Miene. On a préféré même que le fer là reste dans notre forêt que de pouvoir donner la possibilité à Bongo et ses amis de venir exploiter. Il a vu quelque chose jusqu'à... Il avait appelé Ping qui avait emmené les Chinois chez nous que... C'est que les Bungomu ont soulevé pour avec les sakés.
éléphant de Logo est venu pour venir me montrer, qui est venu me trouver ici dans mon palais. Je ne veux pas. Il a déclaré ce fer-là patrimoine sacré. Parce qu'on est allé chercher nos reliques pour lui montrer, nous, nous sommes les enfants de la panthère. Quand il y a un malheur chez nous, les panthères sont derrière le village, pleurent toute la nuit pour venir. Nous là, votre effigie là, c'est notre totem. Est-ce que tu veux que nous sortons nos bilas? Et nous allons sortir nos grondés pour te montrer que le pays là, c'est notre pays, qu'on s'était accouplé avec les babongi pour diriger ce pays. Je vous ai dit que tant que vous n'allez pas relever la dignité du premier peuple que nous avons trouvé sur ce territoire-là, nous n'allons aller nulle part. Les pygmées des babongi sont en train de nous regarder. Depuis bientôt un siècle, comment nous sommes en train de tourner en rond. On peut venir dans le village des gens, trouver les gens, déposséder ces gens-là, au point même de leur enlever leur dignité. Est-ce que tu veux qu'on aille toucher nos reliques? Tu es un enfant du village, non? Tu es parti, la façon que tu as dansé le lengere là et le ngwata là à l'arrivée de Mwanda. Tu as vu comment est-ce que on t'a accueilli avec nos chapeaux de plume pour te montrer que nous sommes le même peuple, nous sommes ta famille, non? Comme tes parents de l'Ekoni sont devenus des milliardaires. Comme j'ai vu hier le ballet et le cortège des jets privés, vous avez géré le Gabon. Même 200 jets privés, vous êtes incapables de garer. Vous, nos frères de l'Ekoni, après avoir géré le pays, vous pensez que nous, vous allez nous esclavager comme vous avez esclavagé nos parents? Tu prends les Australiens, tu rentres dans la forêt de Logo et Vindo pour aller. Oligui, tu n'écoutes pas les conseils. Tu n'as pas vu le parcours d'Ali. Tu n'as pas vu comment Ali a fini. Tu ne vois pas que l'argent du Gabon, là, c'est un argent qui ne fait que enterrer et faire en sorte que les gens finissent mal à cause de cet argent-là. Ton oncle Ngari qui t'a mis à l'armée, tu as vu ce que Idriss a fait, non? Angoni. Tu as vu, non? C'est ce que Samson devait venir faire. Parce que Ngari vous a traité avec dignité. Nous aussi, on voulait que Batolo Samson aussi nous traite avec dignité. Parce que la ressource minière que vous voulez venir exploiter sur les tombeaux de nos parents, c'est une ressource minière en énergie fossile et en armes nucléaires, en métaux d'armement nucléaire. Ça veut dire qu'on est capable aujourd'hui de pouvoir seulement développer une très grande partie du Haut-Ogooué grâce à cette ressource. Mais vous nous avez plongé dans la misère. Vous nous avez mis dans la misère. Vous nous avez tué nos frères Teke. Vous nous avez tué. Celui que nos parents ont servi s'appelait Bongoma. Nous sommes des affranchis. On a coupé l'igname en deux. Il n'y a plus d'unification du Haut-Ogooué de quoi. Ça n'existe plus. Le langage que nous parlons, c'est un langage de Gabon d'abord. Les Gabonais devaient être capables de garer les jets privés comme les Nigérians sont venus garer parce qu'on dit que les Gabonais sont des Qataris d'Afrique centrale. Nous sommes des émirs. Même quand tu regardes comment est-ce que les Américains qualifient le Gabon, ils disent que c'est un émirat d'Afrique centrale. Donc ça veut dire que les Qataris et les Dubaïotes et les Saoudiens sont nos semblables. Ils n'ont même pas le quart de la diversification de nos richesses. Mais regardez comment ils vivent. Même les Libyens qui étaient là à côté n'avaient pas ce qu'on avait. Mais regardez comment est-ce que on s'agenouillait devant eux. Quand tu regardes Ngoni là, vous avez le manganèse de Mwanda et l'uranium de Mwanda. Mais regarde comment est-ce que Ngari a cassé vos huttes à Ngoni pour vous construire des maisons décentes. C'est tout ce que cet enfant revendique pour dire que vous voulez nous déposséder de nos territoires, mais relocalisez-nous de manière décente. Permettez-nous de vivre dignement. Il ne,
ils ne discutent que les intérêts de la, au nom de la dignité humaine. Monsieur Brice Clotaire Oligui et son ami Batolo Samson. L'enfant de maman Hélène. Comilog est arrivé officiellement sur nos territoires en tant que multinationale en 1962. Ça veut dire que en 2022, ils ont fêté leurs 60 ans. Faisons le bilan. Qu'est-ce que Comilog nous laisse? Tu veux qu'on te traite comme on a traité le fils d'Omar? Je ne te comprends pas. Tu te balades avec du tout et de n'importe quoi. Tu as ramassé quelques activistes qui étaient ici en train de galérer comme moi en diaspora. Tu en fais des amis personnels. Ces activistes-là disent maintenant que non, on ne doit plus dénoncer. On doit tuer l'activisme qui est un héritage. Que nous devons légiférer aux générations futures afin que ces populations-là marchent de manière digne et qu'ils aient comme monopole la voie de la revendication civique afin de pouvoir mettre les pouvoirs publics face à leurs responsabilités. Ils disent que non, l'enfant que nous avons engendré, c'est un enfant qu'on doit tuer parce que Oligui est leur ami et ils sont amis avec vous. Mais si tout le monde se comporte comme tous ceux qui ont jeté l'éponge, aller s'asseoir et diriger avec toi. Finalement, ces Gabonais-là qui n'ont pas de parents, comme tu as dit que lui, il n'a pas de maison. Mais tu ne sais pas que il n'a pas de maison à Mwanda parce que ton Dieu, qui est notre leader en tant que Omarien, a tué son avenir. Tu te moques du bilan que du bilan vis-à-vis de dont tu en as hérité. Tu as hérité du bongoïsme. Est-ce que tu sais qu'il n'a pas de maison à Mwanda parce que notre leader Omar Bongo a sacrifié tellement de générations et que Abekeki était allé faire l'école au lieu de venir dire à son père Omar que ah papa, je suis allé faire l'école, je suis un haut commis de l'État, un digne fils de haut Togoué, voici comment on va diriger le Gabon. Au contraire, c'est lui qui a appris à son indigent de père Omar Bongo, comment par ouvrir les comptes offshore à l'étranger. Aujourd'hui, vous êtes en la justice de l'Occident est en train d'arracher tout ce patrimoine-là. Au profit de qui? Puisque l'argent même qui est, du moins les biens qui sont arrachés à la famille Bongo Ondimba, cet argent n'est même pas reversé à l'État gabonais. Vous n'êtes même pas capable d'envoyer des avocats. Comme la famille Obiangema a dit que, comme vous voulez maintenant arracher les biens que vous nous aviez pourtant vendus, rapatrier cet argent-là à l'État équato-guinéen. Vous savez pourquoi vous n'envoyez pas des avocats aller revendiquer ça? Parce que vous avez honte. Parce que vous savez que c'est l'argent de la honte et c'est les biens. L'origine de cet argent, l'origine des biens-là, c'est de l'argent volé. C'est des générations et d'autres générations que vous avez sacrifiées. Vous avez vu quel pays qui n'a pas d'opposition. Vous avez vu quel pays où on ne critique pas. Vous voulez tuer la démocratie. Vous voulez tuer la liberté d'expression. Parce que même à cette démocratie, je n'y crois pas. Mais au moins à l'état de droit. Moi, j'ai vu ici, quand je suis arrivée, comment est-ce que le Québec et l'Ontario se sont associés parce qu'ils estimaient que, excusez-moi, à cause de l'inflation des prix, leur salaire ne leur permettait plus de répondre à leur marge de responsabilité mensuelle. Le secteur de l'enseignement et même de la santé sont rentrés en grève
en assurant le strict minimum parce qu'ils ils sous-entendent que l'État a la capacité de pouvoir y remédier. Je n'ai pas vu ni le Premier ministre du Québec, ni le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, dire que non, vraiment, les activistes ou bien... Parce qu'au Canada, ils n'ont pas des activistes. Tout le monde, c'est les politiques qui parlent. Ils vont à la Chambre des Lords là-bas, à l'Assemblée nationale, qui est la représentation de la maison du peuple. Ils vont là-bas. Là-bas, ils ont élu ici, pour la première fois, à la Haute Cour de justice, une autochtone. Ils ont... Excusez-moi, mettez les cœurs. Ils s'asseyent tous ensemble, les Amérindiens, les enfants, les héritiers de la colonie française, qui sont les Québécois, et les Anglo-Saxons. Ils se mélangent, et puis nous-mêmes, les communautés minimes, là, ils se mélangent, et puis ils discutent des intérêts des Canadiens. Je n'ai pas vu Justin Trudeau venir pleurer à l'écran pour dire que oui, moi je ne comprends pas. Les Canadiens, pourtant, ils perçoivent même le chômage ici, à la hauteur parfois de 1000 dollars. Et puis ils sont là, ils m'insultent dans les vidéos. Mais c'est quelle mentalité ça, Brice? Tu as vu quel leader qu'on ne critique pas? Même l'Arabie Saoudite, le roi Saoud, tu n'as pas vu le journaliste saoudien là qu'on a découpé comme la viande de brousse dans l'ambassade de comment on appelle ça? Des riades à Istanbul. Là où nous sommes en train de parler là, je suis tombée la dernière fois, vendredi, sur le live TikTok de Princesse de Souba. Il y a une Gabonaise qui a été arrêtée à Istanbul. À l'heure où je vous parle, on a essayé d'interpeller l'ambassadeur et l'ambassade du Gabon auprès de l'Empire Ottoman. Ils sont aux abonnés absents. Donc, Dieu merci, je pense qu'ils sont solidaires. Apparemment, on les met, je ne sais pas où, en détention provisoire. Quelqu'un lui a prêté le téléphone. Elle était en direct sur le live des enfants là, des princesses de Souba, avec les autres petits là, pour expliquer sa situation. On lui a posé la question de savoir que, mais que fait la diplomatie gabonaise auprès de d'Istanbul, où on appelle, mais si c'était l'enfant de ce que tu considères ne pas être des voyous, si c'était l'un des enfants de ce que tu considères être des personnes fréquentables parce que tu les fréquentes, ce sont tes amis, c'est auprès d'eux que tu t'en vas prendre des conseils, l'ambassadeur allait même être réveillé sur son lit. Ça veut dire que la malgouvernance nous poursuit jusqu'à l'étranger, à l'extérieur du Gabon. On part afficher notre mauvais comportement partout où on s'en va. Liliane Massalaki vient de partir. Qu'est-ce qu'elle foutait à l'ambassade du Gabon à Paris? Elle faisait le Congo ça. Jusqu'à s'est retrouvée dans les histoires où il y a eu les vidéos dans l'air. Un neveu, un petit-fils de Bongo s'est fait enlever. C'était le Congo ça qu'elle faisait. C'est Liliane Massalaki qui a dit à certains activistes qui devaient y avoir le coup d'État. Parce que au lieu de s'occuper des Gabonais, elle était venue faire la politique comme Enungwe Flavien, qui est maintenant devenu publieur des groupes politiques WhatsApp. L'ancien ambassadeur Flavien avait fermé l'ambassade au sujet gabonais, parce qu'il estimait que les Gabonais qui dénonçaient devaient même être déçus de leur nationalité d'origine. On faisait la politique sous la bénédiction du Quai d'Orsay. Est-ce que notre nouveau représentant auprès de Washington ne t'a pas dit ce que les États-Unis ont décidé par rapport à des pays qui estiment que la dictature établie sur leur sous-sol poursuit jusque dans le champ diplomatique? Mais l'administration Biden a tapé du poing sur la table. Qu'est-ce que Biden a dit aux diplomates qu'il estime être juge et parti sur le territoire américain, que certains diplomates sont loin de leur communauté parce qu'ils appliquent la dictature, n'est-ce pas? Ou bien tu n'as pas encore bien discuté avec M. Michael Mason? Tu as dit que nous on raconte des histoires, non? Demande à M. Michael Mason si ce que Tata Huguette est en train de dire ici dans ce live-là,
c'est, comment on appelle ça? c'est des jérémiades. Et c'est de la calomnie. La dictature de la famille Bongo s'est déployée dans les quatre coins du monde. Pendant qu'Oligui était en train d'humilier un fils de Mwanda qui revendique des droits légitimes et fondamentaux, des Gabonais se font malmenés par l'administration turque, par la voix de son ministère de la Défense. On arrache les passeports. Ils refusent même de communiquer avec les ambassades d'origine des ressortissants qu'ils arrêtent ou qu'ils considèrent être en situation irrégulière. Des enfants gabonais sont jetés dans la nature. Aux dernières nouvelles, il paraît que c'est un sujet camerounais qui serait l'ami ou le voisin de notre compatriote qui est maintenant en charge de deux enfants gabonais. Notre ambassadeur, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'est pas au courant. Mais vous dites qu'on ne doit pas faire des lives. Certains activistes se sont maintenant illustrés dans le recrutement. Ils sont en train de vouloir recruter. Ton téléphone sonne et puis te disent non, mais tu sais, faut pas trop faire le bruit. Faut d'abord laisser le temps au général. Pendant qu'on laisse le temps au général et à son administration, les Gabonais sont dans les problèmes. Vous avez dit qu'on ne doit plus faire les vidéos. Mais si vous ne voulez pas qu'on fasse les vidéos, comportez-vous bien. C'est vous qui nous donnez le travail. À l'heure que moi je viens perdre là, je ne gagne rien, zéro franc. Ma page n'est pas monétisée, Brice. Je ne fais pas partie des activistes qui ont monétisé leur page pour recevoir une rémunération. Ça veut dire que même le fait que j'ai autant de personnes sur chacun de mes lives, je ne touche aucun centime. Parce que c'est moi, c'est mon sacrifice pour cette lutte. J'ai estimé que la lutte et les revendications de la population gabonaise sont tellement profondes que mon sacrifice est de ne pas toucher un perdième face à mon engagement par rapport à l'amour que je porte vis-à-vis de mon pays. C'est mon histoire, c'est ma posture, je veux vivre comme ça. Ça veut dire que même si je suis pauvre, même si je suis sans papier, même si je suis nécessiteuse, mais au moins on peut me reconnaître au moins cette valeur intrinsèque qui est l'intégrité. Et on n'a pas besoin d'aller à une école ou être diplômé pour être quelqu'un d'intègre. Parce que tu es en train de faire une amalgame entre le fait que quelqu'un doit être intègre et quelqu'un doit être diplômé. Rien ne garantit que parce que cette personne est instruite et diplômée, que cette personne est une personne intègre. L'intégrité fait partie des valeurs fondamentales inculquées depuis le bas âge. Tu sais pourquoi je suis intègre? Parce que je suis Bungomu. Chez nous, la descendance de Likamba Vincent, qui était chef coutumier, on nous a appris que on meurt pour notre raison. C'est le symbole représentatif de ma famille. À chaque naissance, Vincent soufflait un mot. Et je fais partie de la génération, la dernière génération que Vincent a vue. Vincent était le père de Nzaon Agnès. Nzaon Agnès a mis au monde Josiane Dabani qui m'a mise moi au monde. Et il avait dit à chacun de ses arrière-petits-fils que vous allez mourir pour votre raison. C'est pourquoi même si je suis isolée dans ma manière de penser, je n'ai pas peur. Parce que je suis en train de répondre à une valeur honorifique du sang de Vincent qui coule dans mes veines. Je suis l'arrière-petite-fille de Yakamba. Et chez nous, les Bungomu, on a dit, tu meurs pour ta raison. On n'achète pas la descendance de Likamba Vincent. On nous a interdit de manger par le don qu'on nous a donné. Je suis fille et arrière-petite-fille de chef coutumier et de féticheur. Et sur les reliques et les artefacts de ma famille, Vincent a dit, peu importe le don que nous avons, on ne prend pas l'argent. Parce que si on marchande ce don-là, on va perdre cette valeur. Je suis Bungomu. Et c'est de là que me viennent ce don. Et ces dons-là. Les gens qui gravitent autour de moi, 6 à 9 mois
Avant que toi, le général Oligui, tu ne prennes le pouvoir, je parle là, les gens qui me fréquentent le savent. J'ai dit, mot pour mot, j'ai envoyé ta photo, même à mon copain ivoirien, je lui ai dit que voici le futur dirigeant. Parce que je t'ai vu en rêve. Je fais des songes. Je suis une faiseuse de songes. C'est le don que j'ai hérité de Vincent. Parce que Vincent était un sculpteur et un orpailleur. Il sculptait la pierre de Mbigou. Les gens qui ont été les fils spirituels de Vincent sont devenus les grands hauts commis de l'État. Les Benga Masoso, Isidore Djeno, les Guillaume Moutou, ce sont les fils de Vincent. Dans les choses de notre tradition, c'est leur père. Ça a été leur père, leur oncle. Dans les fétiches de chez nous. Ils sont devenus des gens puissants. Mais, malheureusement, ils n'ont pas pu changer les choses. C'est pourquoi nous, on continue. Parce qu'on ne veut plus voir les Français chez nous. On ne veut pas voir les Américains chez nous. Et on continue à vivre comme des sous-hommes. Moi, je suis Bungomu, moi. Et je suis fière. Du côté de ma mère, je suis une femme Bungomu. C'est nous qui partons parler avec les pygmées. C'est pourquoi quand tu viendras chez nous à Manamana, en tant qu'arrière petite fille de Ngonio, tu trouveras des familles de pygmées qui nous servent depuis des générations. Parce que même on a su traiter, dealer avec les Babongi. Vous êtes en train de manger l'or du Gabon. Vous êtes en train de manger les diamants du Gabon. Vous êtes en train de manger le manganèse du Gabon. Vous mangez le pétrole du Gabon, mais les populations restent toujours dans une misère incommensurable. Ça ne vous dit rien. Vous nous traitez pire que des chiens. Vous avez fait rentrer les gens en Dangui. Vincent, de ce que ma mère me dit, Vincent allait exploiter l'or en Dangui. Dites-moi un peu, est-ce que vous avez amené l'eau et le courant en Dangui? Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais le Gabon a fait partie des pays pétroliers mondiaux. On a siégé à l'OPEP. On a fêté le boom pétrolier. Dubaï n'était encore qu'un étang de sable. On a fêté ça les mêmes années. Mais regardez aujourd'hui. C'est à Dubaï où les gens vont faire les courses. C'est à Dubaï où les gens vont faire les aller se balader. Aller se détendre. C'est devenu la capitale touristique mondiale. Avec le même pétrole qui sort de la terre de Langounier et de l'Ogoué maritime. Aujourd'hui, Perenco, comment il s'appelle, Bernard Christian Rekoula, a essayé de dénoncer la pollution dont fait objet par rapport à un peuple que vous savez que eux là, ce sont des gens qui ne vivent que de l'eau. C'est des fils de pêcheurs. Ils sont pisciculturiens d'origine. Les Gralois, les gens de Setekamba, tout ça, ce sont des gens qui vivent de l'eau. Perenco a pris l'argent à donner à Najma par l'entremise de ceux qui restaient d'Ali Bongo. Ils ont soulevé les caisses de résonance, allaient faire la campagne avec parce qu'ils voulaient que Ali continue à se maintenir là pendant que vous êtes en train de tuer nos océans. Vous êtes en train de nous polluer à tous les niveaux. Les mêmes multinationales là hein, sont et pourtant représentées ailleurs. Eramet ne traite pas seulement qu'avec le Gabon. Mais pourquoi quand Eramet est en Australie, il ne se comporte pas de la même manière dont il se comporte chez nous? Vous savez pourquoi? Parce que les dirigeants de ces pays-là ont imposé le respect. C'est tout ce que cet enfant a essayé de faire. Appeler la multinationale Eramet à traiter les ressortissants de Moanda avec du respect et de la dignité. Pour ça, tu vas venir chercher notre enfant
et tu vas venir lui faire subir un préjudice en insinuant qu'il ne m'a pas montré chez lui. Tu fais quoi? Tu allais chercher quoi dans sa maison? Les milliards, c'est les 40 000 milliards qu'on cherche à, qui ont été détournés au cours de ces 14 dernières années ou au cours de ces 60 ans-là que tu cherchais dans la maison de ce jeune homme-là. Tu voulais aller chez lui pour aller chercher quoi là-bas? C'est un voyou. Il m'a fait tourner. Il n'a pas de maison. Nous qui avons les maisons à Mwanda, il y a quoi? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel? Ces maisons sont en lambeaux. C'est les Camerounais qui habitent maintenant dans les maisons de mes grands-pères. Parce que tout le monde est venu se cloîtrer à Libreville. Personne ne veut vivre dans le sous-développement. Il m'a baladé dans Mwanda quand je t'ai dit que tu ne sais pas parler. C'est quel comportement ça? Il y a Brice. Les gens ne te donnent pas les conseils. Tu es rentré dans la maison de la femme Teke là. Pour ceux qui ne comprennent pas, nous on a compris ce qu'elle te disait. Qu'est-ce qu'elle t'a dit, cette femme Teke là? À un moment donné, tu t'es même gêné parce que tu comprenais ce qu'elle te disait. Quelle a faim, Nanzal? Tu as envoyé ton frère venir expliquer au Gabonais que pour une première fois, la loi budgétaire a été établie au mois de janvier. D'accord, mais est-ce qu'il est devenu exécutoire? Les Gabonais ont toujours faim. J'ai vu le sachet de sel équité de 300 francs, 350 francs, aujourd'hui à 700. Oligui, tu ne cherches pas à faire asseoir Henri Claude Oyima pour lui demander de réinvestir 70% de l'argent qu'il détient dans cette banque-là pour aider les Gabonais à pouvoir amorcer le panier de la ménagère. Ça, tu ne vois pas que ça, c'est une priorité? Et que c'est à cause de la malgouvernance de ces personnes que tu as ramenées aux affaires? Parce que c'est une succession hein, logique de ce qui s'était déjà fait. Je vois, on dirait que les Omariens veulent se dédire pour expliquer que non, le mal du Gabon n'a commencé que depuis que Ali a amené son gang de 40 voleurs. Non, 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 non. Tout le sud du Gabon, et là je parle du centre du sud, tout, comment on appelle ça? Les ingénieurs agricoles, de par leur expérience, savent que s'il faut lancer le secteur agricole pour lutter et pouvoir amorcer le problème de l'autosuffisance alimentaire, la zone du sud, là, c'est la zone la plus propice afin de faire de l'agriculture. Ça veut dire qu'à l'heure où nous sommes là, on devait déjà pouvoir permettre aux agriculteurs nationaux et locaux d'aller maintenant aller essayer de discuter avec les ressortissants de la plaine du centre du sud afin qu'ils nous cèdent une partie de leur territoire pour pouvoir régler les problèmes d'urgence d'autosuffisance. Tu as appelé Gupta. Gangam est venu dans ton... venu te... s'est mis... comment on appelle ça? Industriel. Pourquoi? Parce que le Gabon a la capacité aujourd'hui de ravitailler ses voisins. Ça nous a même donné une certaine... Excusez-moi, j'ai un problème de connexion, comme je suis au sous-sol. Ça nous a même donné une certaine indice de valeur auprès de nos partenaires, comment on appelle ça? Nos partenaires financiers internationaux. La Banque mondiale nous a félicités sur le fait que le Gabon avait évolué par rapport au quota de la production qui était effectivement très grand, mais sur la macroéconomie, donc parlons de l'assiette du Gabonais, est-ce que ces profits-là ont été mis à l'avantage de tous les Gabonais? Parce que ce que je n'aime pas avec les rapports de la Banque mondiale ou du FMI, c'est qu'ils tiennent compte seulement
sur le fait que parfois la production peut augmenter, exemple dans le secteur de l'exploitation des bois, dans le secteur de l'exploitation des gisements pétroliers, ou bien je ne sais pas d'autres ressources et métaux précieux. Mais la vérité, c'est quoi? C'est que le profit que génère l'État gabonais n'est jamais reparti de manière équitable. C'est le problème que nous avons avec nos dirigeants. Nous avions voté des budgets à la hauteur de plus de 3 000 milliards. À quel profit? Venez nous dire 60 ans plus tard, finalement, qu'est-ce qui a été profitable pour l'intérêt général des Gabonais? La CNAM-GS est en perpétuel litige avec la CNSS. Les collectivités locales, leurs fonctionnaires, litigent avec la CNSS. Expliquez-nous. L'urbanisation, un problème. Il y a les populations, je ne fais que répéter ça, des PK qui doivent être délocalisés, l'urgence. Ça veut dire que même au-delà de Mwanda, l'argent décaissé par une partie de la Comilog devait être profitable aux ressortissants, à ceux qui ont investi dans les PK, parce que nous avons encore un problème. Voici le mois des grandes pluies qui est en train d'arriver. Mars, avril, c'est le mois des plus grandes pluies au Gabon. Ça veut dire que d'autres familles sont désormais sujettes à un problème d'éboulement. On fait comment? On continue de s'endeuiller? On continue d'aller soi-disant aller capturer des images où on voit un président qui est assis dans les mapanes avec toute la saleté qu'il y a autour, les moustiques, les mauvaises canalisations d'eau et consorts? On continue d'exploiter la souffrance des Gabonais? Il faut sortir les populations des PK. On les sort quand? Pour les reloger ailleurs. Voici ce à quoi pouvait profiter l'argent de Comilog. Parce que au-delà de discuter seulement des questions des populations mwandaises, même les ressortissants de la capitale politique pouvaient bénéficier de ça. Vous savez, la politique, monsieur Oyemba, tapotez le live. Mais c'est pas vous le problème. Le problème, c'est moi. J'ai un problème avec ma connexion. La prochaine fois, je vais faire le live à l'étage. Vous savez, Casimir Oyemba, même s'il a été un des acteurs aussi de ce chaos, paix à son âme, avait dit quelque chose d'important. Lorsqu'il sort de la BEAC, il est promu Premier ministre gabonais. Le jeune Afrique économique lui avait consacré une tribune. Et les mots qu'il a employés pour illustrer effectivement la situation chaotique de notre pays ont été clairs. Ils ont été courts, mais c'est profond. Il a dit en résumé que la politique et l'argent ont pourri le Gabon. Vous savez, avec beaucoup de réflexions, je discute avec différentes personnes et je me rends compte à quel niveau le mal est profond, en fait. Vous savez, hein, on néglige peut-être cet aspect de notre société parce qu'on fait les choses peut-être de manière beaucoup plus élégante. Mais il y a un fait. Le fait, c'est quoi? Les Gabonais sont des voleurs. Et je pèse mes mots. Les Gabonais sont des voleurs. Et les Gabonais se croient peut-être supérieurs aux Camerounais parce que contrairement à certains sujets camerounais, je ne vais pas globaliser, qui se lancent dans les groupes du grand banditisme, eux, ils mettent des cravates et ils mettent des vestes, mais c'est pour aller voler, en fait. Le problème du Gabon, c'est que nous sommes dirigés par des voleurs. Les Gabonais sont des grands voleurs. Ils sont habitués à voler. Et ils ont même déjà normalisé le fait que tant qu'ils ne vont pas voler dans la maison ou ils ne font pas du vol à l'étalage, ce ne sont pas des voleurs parmi tant d'autres. Mais la vérité, c'est quoi? Au sens propre du terme, les Gabonais sont des voleurs. Et on a normalisé le vol étatique au point où même les receleurs
ceux qui sont censés recevoir une infime partie de ces vols-là, perpétrés dans les caisses de l'État, eux aussi ont normalisé le fait que non, c'est l'argent du pays. Oui, c'est l'argent du pays. Mais de la manière dont cet argent est sorti des caisses de l'État, pour venir te trouver dans le quartier, pour venir te trouver à la présidence de ton syndicat, pour venir te trouver, peu importe où à l'étranger, pour ceux qui prennent les Western Union des hommes politiques et des femmes politiques. Sachez désormais que nous sommes tous responsables de la situation de notre pays parce qu'on a décidé de faire dans l'individualisme. Pourquoi faire dans l'individualisme? Et je ne donne pas aussi tort à ceux qui ont décidé parce que les Gabonais se comportent comme tous les peuples. On ne fait d'aucune règle. Les peuples n'ont pas de conscience. Le Gabonais, comme Olivier est venu prendre le pouvoir, il peut se passer au jour d'aujourd'hui le plus important. Le nom Bongo n'est plus là. Olivier peut faire asseoir aujourd'hui sa nébuleuse. Il peut continuer à diriger avec les criminels rituels. Il peut continuer à diriger avec les violeurs, les voleurs de la nation, les arracheurs de terrain. Tout ça, il peut continuer à faire ce qu'il veut. Mais nous devons lui être entièrement reconnaissants qu'il a enlevé le nom Bongo parce que le fait que le nom Bongo ne soit plus là, c'est ce qui remplit nos comptes en banque. C'est ce qui nous aide à nous soigner. C'est ce qui nous aide à mieux nous loger. Je vais même être fataliste. Nous sommes dans le parfait schéma de la situation du Cameroun. Il faut deux générations pour pouvoir relever la dignité, surtout l'intégrité des Gabonais. Parce que le véritable problème que nous avons au jour d'aujourd'hui, c'est un problème d'intégrité. Et je pense, face à la situation qui est devant nous, que c'est une génération sortie de l'extérieur. Parce que vous savez, je discute aujourd'hui avec des jeunes adolescents, nés de père et de mère, nés des Gabonais de l'étranger. Je suis impressionnée par ces générations-là. Parce que ils sont jeunes, mais non seulement ils sont intègres. Et ils ne sont pas infectés des maux qui nous ont même nous-mêmes déjà affectés, nous, les Gabonais, qui sommes nés, mais qui vivons aujourd'hui à l'extérieur. Parce qu'il n'y a qu'à regarder le corps diplomatique gabonais, il est à la ressemblance de ceux qui continuent à nous diriger. Les diplomates ne sont là que pour les officiels qui viennent du Gabon. Mais quand les ressortissants gabonais de l'étranger ont des problèmes, la diplomatie gabonaise est la dernière à être au chevet des Gabonais. La situation de notre sœur, pour surveiller leur vote, démontrer que eux aussi, ils en avaient marre du système Bongo, ont été tapés. C'est-à-dire qu'il a permis à l'armée marocaine de rentrer dans notre territoire, taper et mater nos enfants. Voici le problème que nous avons. Nous avons échoué sur tous les plans. Je discute avec même des leaders de la société civile. C'est-à-dire que je vois la vérité, hein? Mais ils veulent me dissuader que ce que je vois là, j'ai tort et je mens. Vous avez vu la situation sur Laurence, non? J'étais sortie comme un précurseur. Venir avertir les Gabonais que cette femme avait un agenda personnel et qu'elle n'était pas parmi nous parce qu'effectivement, il y avait des véritables problèmes au Gabon. Que c'est quelqu'un qui est venu nous perdre du temps et que la place qu'elle occupait était une place qui pouvait revenir à quelqu'un qui avait vraiment à cœur, réellement à cœur, les problèmes du Gabon. Je ne suis pas surprise d'être étonnée de voir la trajectoire qu'elle a prise au point de venir faire le népotisme au sens propre du terme. Mais les Gabonais, ce sont des gens qui aiment voir pour croire. Vous avez vu l'hypocrisie qui règne sur les réseaux, non? Le général a fait une bourde à Mwanda. Mais personne ne dira absolument rien. Même son côté paternel du Nord. Vous avez vu qu'ils se sont tués. Et pourtant, ça s'est passé dans le Haut-Ogoué. Mes frères Fan, qui faisaient l'opposition radicale avec moi, se sont tués. Olivier a le droit de venir bouffer un élément de la même origine que lui, du côté de sa mère. Parce que désormais, ils ont coupé le gibier en deux. Une partie de l'élite de l'opposition gabonaise est maintenant à la table pour manger, assiété. Donc on peut fermer la bouche.
Sauf que, ce qu'il ne sait pas, c'est que Oligui n'est pas chez lui quand il vient à Mwanda. Oligui est de Ngoni. Mwanda, là, c'est un autre fief. Et qu'à Mwanda, il y a les fils et les filles de Mwanda qui ne vont pas attendre que les autres de Franceville ou bien de Mounana viennent. Non, les enfants de Mwanda ont leur leader pour venir discuter de leurs intérêts. Et en tant que fille de Mwanda, née à Mwanda, parce que c'est là-bas où est enterré mon cordon ombilical. Mon cordon ombilical est enterré à Mwanda. Je suis née à Mwanda. Ça veut dire que cette terre-là m'a accueilli. Le premier souffle que j'ai eu à donner, c'est sur ces lieux-là. Donc, une partie de mon ADN est à Mwanda. Donc, si mes autres frères du Haut-Ogooué ne peuvent pas venir pleurer pour la situation d'un fils de Mwanda, je suis suffisamment forte et capable pour venir défendre mon frère Mwandais. Parce que là, on va faire roubangamangam. Là, et en plus, il a raison. Donc là, je joue à domicile, comme on dit. Et je suis en train d'indexer ici mon propre parent qui est le directeur général de Comilog. Je ne fais pas au Bangam, non. Batolo Samson là, ma mère a mangé la nourriture de sa mère, maman Hélène. Mes parents ont mangé chez lui. Il a mangé chez nous. C'est même, comme on dit, même famille, même clan. Je peux vous amener sur la tombe de la maman de Batolo. C'est que Samson a appelé Oligui, venez faire chez nous. Il est en train de creuser sa tombe. Parce que non seulement il a commencé lui-même à se foutre de nous, mais il est allé chercher l'enfant de Ngoni. Qui a dit que lui, il était venu pour arbitrer le problème? Il n'a plus arbitré, il est devenu juge et parti. C'est-à-dire il a même laissé le ministère de la justice à côté. Il est devenu lui-même juge et magistrat. Pour faire d'un fils qui est venu défendre les intérêts de sa famille et des ressortissants de sa localité, un voyou, en l'humiliant publiquement. Et c'est pourquoi j'appelle mes frères et mes sœurs, allez parler à vos familles. Dites-leur d'aller trouver Batolo, allez dire à Samson que là où Alianga est tombé, là où Ali Bongo est tombé, là où plusieurs sont tombés, lui-même il peut tomber, il ne va pas nous dépasser. Oligui peut fuir à Ngoni, mais lui ne fuira pas, parce qu'il est là. Il est dans nos mains. Son cordon ombilical est enterré à Mwanda comme moi. Donc, s'il ne veut pas qu'on sorte nos choses, parce qu'il a le même sang que nous, il connaît, là c'est la guerre des Bungomo. C'est nul. Là c'est carrément, on va chouka les Bikunga, Shinga Shoyi. Là, on n'a pas besoin d'interprètes. Si les gens de Franceville veulent s'asseoir pour regarder, nous-mêmes, Batolo, avant le 24 décembre 2024, on va t'enlever le siège là. Tu sais que les gars de l'Econi veulent ça, non? Tu sais ça? Ils avaient déjà leurs activistes ici qui étaient matin, midi, soir. Tu as bénéficié de notre soutien parce qu'on a fermé la bouche pour dire que tu es notre, tu es le nôtre, mais tu nous fais du mal. Tu n'as pas pitié de nous. Tu ne te souviens pas que ta maman était une digne femme de ménage de Comilog. Ta maman avait le droit de faire le ménage à Comilog, sachant que Comilog a toujours brassé des milliards. Aujourd'hui, tu es devenu directeur général. Est-ce que ta maman avait besoin de faire le ménage à Comilog, comme elle a fait le ménage là? Parce que tes parents du côté de ton papa, blanc, parce que tu es le fils d'un ancien directeur général de Comilog, ont pris notre argent pour aller développer la France avec ça. Tu es en train de détourner les milliards, mais on ne voit pas ce que tu fais à Mwanda. Tu te comportes comme tes frères Tiki.
Je suis seulement venu te dire que ça ne marchera pas. Parce que même avant de venir faire le live là, tu connais ma mère, non, Josiane Mitoulou. Voilà, je suis la fille de Josiane. Sauf que quand elle venait à Mwanda, elle me laissait à Libreville. Elle avait toujours dit que j'ai un unique enfant, c'est moi, c'est mamie, non. Donc, je suis ta fille. Et je t'observe depuis. Parce que j'ai voulu t'accorder le bénéfice du doute pour dire que, ah, tu vas peut-être faire quelque chose de différent. Mon homonyme manga, Suzanne, là, c'est pas elle était aussi ménagère avec, avec ta mère. C'est elle qui t'avait emmené mon nom. Moi, je porte le nom de tante Suzanne. C'est moi, manga. Tante Suzanne, là, qui était la copine de ta mère, qui se baladait avec ta mère tout le temps dans Mwanda, France, vu faire les groupes jusqu'à Mounana, là. C'est moi qui suis son homonyme. Mais la manière dont tu te comportes laisse vraiment à désirer. Parce que tu nous trahis. Tu fais partie des gens qui nous font du mal. Tu mets la honte sur nous. Parce qu'avant, on pouvait dire que oui, c'est les Teke qui gèrent comme il y a. Maintenant, notre propre enfant, Bawanji, tu viens faire le désordre. Tu pars appeler un Teke pour venir faire du mal, à manger ta chair sur la place publique. Mais je demande, hein, qui t'a montré ça? C'est qui? Qui t'a appris ça, Samson? C'est dans la Rose-Croix, les loges maçonniques où tu es parti faire allégeance, qu'on t'a appris que il faut venir faire ce que tu as fait. Tu crois à la franc-maçonnerie? La franc-maçonnerie, là, vient utiliser le manganèse de tes ancêtres et l'uranium, mais leur franc-maçonnerie devait leur faire sortir le manganèse là-bas chez eux. Nous, c'est grâce à nos reliques-là que ces choses-là sortent sous notre sous-sol. Sans la franc-maçonnerie à laquelle tu crois, le manganèse est rempli. Jusqu'à tu as maintenant envie d'aller chasser, faire en sorte qu'on vienne maintenant enlever les tombes de nos parents qui sont enterrés là. Parce que tu dois devenir milliardaire avec ton frère Oligui. N'est-ce pas? Tu as mal fait, hein? Tu as très mal fait. Et moi, je suis l'enfant qui suis venu te dire ouvertement que tu as mal agi. Chez nous, il n'y a pas le Bangam. Chez nous, nous sommes des Bungomu. Nous sommes intègres. C'est pourquoi on ne fait pas partie de l'élite altogovéenne et logovéenne. Nous ne sommes pas des milliardaires. Il n'y a aucun Bungomu milliardaire. Tu seras peut-être le premier milliardaire Bungomu. Parce qu'on est trop intègre chez nous. C'est pourquoi on est pauvre. Et on est digne. Nous, notre dignité n'a pas de prix. C'est pourquoi quand on cherche ceux qui ont détourné les milliards, au Gabon, il n'y a pas les Bungomu dedans. Parce que tu connais que notre orgueil est trop. Notre orgueil est basé sur la dignité. On n'aime pas la honte. Nous, tu donnes, ou moi, on m'avait dit que ce qu'on te donne, tu prends. Le Bungomu, tu lui donnes, il va prendre. Ça s'appelle de l'intégrité, de la dignité. Mais Bungomu ne peut pas, ça rentrer dans la nuit avec toi. Pour aller prendre l'argent derrière, chez nous les Bungomu, on ne fait pas ça. C'est pourquoi nos ancêtres qui sont restés dans le Goévindo sont toujours là-bas dans les forêts en train de manger le soukouté. On préfère aller manger notre soukouté dans la dignité et aller dormir avec nos lampes à pétrole. Tu veux amener l'indignité dans la maison de Bungomu? Hein? Mais Batolo, tu es en train de chier dans le torrent. Tu connais, non? Tu sais que ça ne se fait pas chez nous les Bungomu. Je te laisse avec nos ancêtres. Il ne fait pas sortir l'enfant de Bungomu, hein? Suis Clotaire Oligui. Tu as compris, non? Viens taper ici. Tu me connais, non? Tu me connais très bien, non? Aïe, Kameni, bien! Viens taper ici. Ne le fais pas sortir, hein? Gardez-le en prison là-bas. Comme c'est lui votre voleur que vous avez trouvé dans votre comilon, que vous avez passé le temps à détourner de l'argent.
au détriment des populations de Mwanda et de Mounana. Vous avez pris un voleur, violeur, assassin comme Opianga. Vous l'avez emmené devant les gens malgré le fait qu'on vous a tiré les oreilles pour dire que celui-là, c'est l'indignité totale. Vous l'aviez pris pour l'ériger en haut commis de l'État, non? Vous savez qu'Opianga ne peut pas faire ça chez nous. Pourquoi Opianga ne fait pas le désordre chez nous à Mwanda? Parce qu'il connaît. On va venir lui déposer le régime de bananes avec, comment on appelle ça, le paquet de manioc et la bouteille de sable. Donc, nous, on a chassé les marabouts béninois pour que vous redeveniez nos bourreaux. Parce qu'on est là, oh, la légion étrangère, vous êtes des mauvais gens. Vous êtes des mauvais gens. Parce que vous, c'est vous qui nous faites du mal dans ce pays. Nos propres frères gabonais. Vous n'aimez pas nous voir. Quand vous voyez un Gabonais qui essaie de s'en sortir, qui amène un projet pour vouloir développer le pays, vous êtes les premières personnes à combattre le projet là. Vous, tantôt, vous ne voulez pas que la diaspora vienne réinvestir au pays. Quand la diaspora vient, vous êtes encore les mêmes personnes qui combattaient le projet de la diaspora qui va pouvoir aider les Gabonais à trouver le travail et à vivre de manière décente. Qu'est-ce que vous voulez de ce pays? Qu'est-ce que vous nous voulez? On vous a dit, laissez notre frère de Belinga. Nos parents, Kotakrom, c'est eux qui ont gardé la vraie panthère là. Vous avez vu comment la panthère là a poursuivi toutes les sociétés qui sont venues pour exploiter le pays. On ira chercher la panthère d'Ingé pour amener chez nous. On ira, nous on avait traversé avec la dent. Ils sont restés avec la panthère. On ira prendre ça. Comme on va donner à Ngondé l'odeur, parce qu'on a l'odeur d'Oligui. Comme son sang est à Ngoni, mais il a l'odeur qu'il a laissé chez nous à Mwanda, on donnera à Ngondé le morceau de tissu de l'odeur d'Oligui. Vous voulez que la panthère là, on fasse sortir notre panthère d'eau là, on a cherché ça sur nos parents, ça que nous les Bungomou. Vous n'avez même pas vu comment nos parents à Douma, ils sautent Mwanda avec Mounana. Ils marchent doucement quand ils viennent chez nous. Vous voulez qu'on aille chercher le tissu d'Oligui pour donner à la panthère des Kota et des Saké? Hein? Ne faites pas sortir cet enfant. On va d'abord emmener la panthère là sur le sépulcre de ta mère Hélène. Est-ce que tu comprends, Batolo? Comme tu es en train de nous chercher la confrérie des Bungomu, on méditera sur ton âme. C'est la première et la dernière fois que vous veniez faire votre désordre sur la terre de nos ancêtres où reposent les gens que vous avez exploités à des salaires de misère. Vous les avez tués avec